Hello, welcome to Tory language learning. In this video, we'll play you a chapter from our book French short stories for beginners, volume 2. If you don't have an audible account yet, stick around until the end to discover how you can get the full 3 hour audiobook for free. Now hit the subscribe button and let's learn some French. Chapter 1 Les choses géantes sont faites dans une usine. Un beau jour, dans une cabane perchée sur un arbre, un groupe d'enfants était rassemblé pour passer la journée ensemble. Ils étaient tous amis depuis un très jeune âge. Ils allaient à la même école et passèrent leur temps libre l'un avec l'autre. Ce jour-là, ils étaient chez Hervé. Celui-ci. Allongé sur son dos sur le sol, un bras sous la tête, avait l'air pensif. Un moment après, il se redressa pour prendre une position assise et dit à ses amis Vous vous rappelez de la fête d'anniversaire d'Aurélie Je ne pense pas qu'on est prêt de l'oublier de si tôt, répondit Capucine. En posant son livre d'histoire avant de se tourner vers lui, c'était la fête la plus amusante de ma vie, remarqua Aude avec un sourire. Oui, s'écria Marcel. Il y avait tellement de jeux. On avait droit à jouer sur le trampoline et on pouvait même aller dans la piscine. Et il y avait tant de bonnes choses à manger. Ajouta Cyril avec un sourire rêveur, tu parles de la pignata ou des coupes de glace lui demanda aude avec un sourire taquin. Je pense qu'on est tous d'accord que la pizza géante était la star du buffet dit hervé, mais j'y pense comment fait-on une pizza aussi grande Les autres enfants prirent un moment. Pour penser à une réponse à la question de Capucine. Mais Aude fut la première à répondre et dit que son père lui avait dit que les choses géantes sont faites avec des pièces rassemblées dans une usine. Je suppose que ce serait logique, vu que la pizza avait quatre parties avec des garnitures différentes, dit Marcel. En hochant la tête, ma partie préférée était celle avec la garniture poulet-champignon. Miam! Vous imaginez si nous essayons de faire une nous-mêmes? demanda Cyril avec enthousiasme. En entendant cela, les quatre autres commencèrent à rêvasser. Ils furent transportés de leur petite cabane en bois à une grande usine sophistiquée. Avec plein de machines et de matériaux. On va commencer par diviser les tâches, dit Hervé. Capucine et Cyril vont faire la pâte, Aude et Marcel vont préparer la sauce, et moi, je vais râper le fromage. Quand on aura fini, on va laisser lever les quartiers de pâte, et entre-temps, on va tout faire cuire, les différentes sortes de garnitures. Et après, on va assembler la pizza, on mettra la sauce, la garniture et le fromage, et on fera cuire chaque partie dans un des fours. Lorsqu'elles sont toutes cuites, on assemble le tout. Les autres enfants acceptèrent le plan d'Hervé, sauf Cyril, qui leva la main et dit. Je voudrais râper le fromage à ta place. Et toi tu peux faire le pâté avec Capucine. Pas question, dit Aude. Tu mangeras la moitié du fromage, tu mangeras la moitié du fromage, si on te laisse faire. Hervé, Capucine et Marcel rirent, et Cyril bouda, en murmurant que ce n'était pas juste. Les cinq mirent des tabliers, des gants, et des coiffes de cuisinier, puis se dispersèrent chacun dans son coin. Capucine demanda à Cyril de lui chercher la farine et la levure, tant qu'elle fit chauffer un peu d'eau. Elle versa la levure dans l'eau tiède avec un peu de sucre, tandis que Cyril lui ramena l'huile et le sel. Eh, Capucine, regarde. Cyrille lui dit avant de lui mettre de la farine sur le nez, lorsqu'elle releva la tête pour le regarder en face. Hé! Hey elle lui rendit l'appareil, et les deux rigolèrent avant de se remettre au travail. Ils mirent les ingrédients dans le pétrin, puis mirent le bol près du four qu'ils avaient allumé pour le faire préchauffer. Pendant ce temps, Aude et Marcel préparaient la sauce. Pourquoi on doit y mettre du sucre? Marcel demanda. Pour neutraliser l'acidité de la tomate. La fillette lui répondit. Est ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces épices? Oui, c'est ce qui donne un bon goût à la sauce. On peut se passer de l'ail, par contre. Tu ne crois pas? Marcel dit avec un air incertain. Aude le regarda, puis regarda la grande marmite qui contenait les ingrédients de la sauce. Tu n'aimes pas l'ail? Non, je trouve ça un peu fort. Ils échangèrent un regard complice, et Aude haussa ses épaules avant de poser l'ail sur la table. Ça ne fera de mal à personne, s'il manque un ingrédient, hein? lui dit elle avec un sourire. Personne n'a besoin de savoir qu'il manque un ingrédient, d'ailleurs. Marcel répondit. Ils se serrèrent la main, puis continuèrent leur travail. Aude ajoutait les ingrédients, alors que Marcel remuait la sauce sur le feu. De l'autre côté de l'usine, Hervé rappa le fromage et, un peu comme Cyril l'aurait fait, il prit le soin de le goûter. « Juste pour voir si c'est de la bonne qualité !» il s'était dit. Lorsque toutes les tâches principales étaient accomplies, le groupe d'enfants passa à la cuisson de garniture. Cyril avait insisté sur une partie poulet-champignon, Oh, des capucines voulaient des poivrons et des peperonis sur une autre hervé voulait garnir une partie à l'italienne de basilic d'olives et de mozzarella et marcel surprit tout le monde en choisissant de mettre de l'ananas dans une partie à chacun sa tasse dit-il ils firent cuire le tout avant de mettre la sauce la garniture et le fromage sur les quartiers de pâte avant de les transférer au four sur un grand chariot, et lorsqu'ils sentirent une délicieuse odeur qui indiqua que leur partie de pizza était prête, ils les sortirent prudemment du four, cédèrent pour les mettre un à un sur un grand plan de travail, puis les poussèrent côte à côte pour former un grand disque de pizza. Ils se regardèrent, fatigués, souriants, et surtout fiers de leur travail. Qui a faim? Une voix mélodieuse interrompit le rêve éveillé des cinq enfants. Hervé tourna vers sa mère, qui se tenait perchée sur l'escalier de la cabane. Ça vous dit d'aller manger au resto rapide? elle leur demanda. Les cinq amis acceptèrent l'offre avec enthousiasme, et lui dirent qu'ils savaient déjà ce qu'ils voulaient une pizza. Résumé de l'histoire Un groupe d'amis se rappelèrent d'une pizza géante servie dans une fête d'anniversaire, et se demandèrent comment quelque chose d'aussi grand était fait. L'une d'entre eux dit qu'elle a été faite dans une usine, et les cinq amis commencèrent à rêvasser et imaginèrent qu'ils étaient en train d'en faire une. Deux d'entre eux réalisaient la pâte, deux travaillaient sur la sauce, et un râpait le fromage, puis ils firent tous cuire différentes garnitures avant de faire cuire la pizza en quartier et l'assembler. La mère de l'un d'entre eux vint interrompre leur rêve éveillé et leur dit qu'elle allait les emmener manger dans un resto rapide. Summary of the story. A group of friends reminisced about a giant pizza that they had had at a birthday party and wondered how something that big was made. One of them said that it was made in a factory and the five friends began to daydream. And imagine that they were making one together. Two of them were making the dough, two were working on the sauce, and one was grating the cheese. They all cooked different toppings before baking the pizza in quarters and assembling it. The mother of one of them interrupted their daydream and told them that she was going to take them out to eat at a fast food restaurant. Thank you for listening to this chapter from our book. I really hope you enjoyed it. This was French short stories for beginners, volume 2, by Tori Language Learning. If you want to get the full 3-hour audiobook for free and you don't have an Audible account yet, you can claim your free book by clicking the link in the description, and it will take you to the following page. Click the orange button that says Free with 30-day trial. You can cancel your Audible subscription at any time, and you can still keep the book. It's a win-win. Thank you for listening. And don't forget to hit the subscribe button for more videos.